final wish. And his wish is that the ECCC will translate our closing brief as soon as is reasonably possible into Khmer. And that copies of it will be distributed in the same manner as the ECCC has distributed its own judgments. In his opinion, and also in my opinion, that would be the real legacy of this tribunal. Thank you. I had hoped I made that clear. No, he doesn't want to come up. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre. Quel silence assourdissant hier du côté de l'accusation. Quel silence assourdissant sur des éléments essentiels de droit que nous avons soulevés et auxquels nous n'avons eu aucune réponse. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir attendu, Monsieur le Président. Hier, je regardais cette horloge et j'attendais qu'il y ait une vraie réponse sur des points fondamentaux. Une vaine attente, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre. Sur les questions relatives à l'absence de dol éventuel dans la jurisprudence de Nuremberg, rien. Sur les raisons du revirement de l'accusation sur la question de l'entreprise criminelle commune, sur leur inadéquation de leur jurisprudence quand ils essayent de trouver une parade juridique au scandale de la violation de la légalité par la Cour suprême, rien. Sur les questions de saisine, les dépassements des juges d'instruction, les dépassements au cours des débats de ce procès, toujours rien. Alors je sais, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, que les parties civiles soutiennent l'accusation, mais là, les procureurs leur en font porter un peu trop. Ce sont eux qui doivent apporter la preuve en fait et en droit. Et c'est quand même extraordinaire que ce ne soit que les parties civiles qui aient pris la peine de répondre sur ces questions de droit essentielles. C'est quand même extraordinaire que, lorsqu'on a parlé d'autres actes d'humains, ce soit les parties civiles qui aient évoqué une feuille de route et que du côté de l'accusation, on ait entendu M. Koumian, procureur international, avoir un raisonnement binaire en nous expliquant que oui, les mariages forcés, c'est quelque chose de grave. Comme si nous avions dit le contraire. Comme si nous ne vous avions pas dit, nous ne vous avions pas expliqué que la vraie question, c'est le principe de l'égalité. C'est est-ce que c'était constitutif d'autres actes inhumains entre 75 et 79. J'ai aussi entendu, Madame la coprocureure internationale, vous expliquer que nous devrions nous estimer heureux d'avoir eu la parole. Que vous avez fait preuve de patience, que vous nous avez laissé présenter les arguments de notre choix.
Donc on peut s'estimer heureux de ne pas avoir été coupé. Donc on doit vous remercier, alors on vous dit merci d'avoir respecté cette règle élémentaire du procès équitable qui est reconnue internationalement, qui est que la parole est libre en défense. Si ça doit être un héritage judiciaire de ce tribunal, qu'il en soit ainsi. Mais contrairement à ce que Mme le coprocureur a l'air de penser, il ne s'agit pas d'un privilège, il s'agit d'un élément fondamental de la procédure pénale, un élément fondamental du procès équitable. J'ai entendu également de votre côté de la barre, Madame la coprocureure, vous indiquez que la défense avait eu des moyens considérables, des ressources considérables pour prendre ce programme. Pourtant moi, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, je les vois encore aujourd'hui, un certain nombre de procureurs internationaux, nombreux également, qui au fil des audiences ont pris la parole, alors que nous étions deux avocats de ce côté. Alors pourquoi avec ces ressources encore plus considérables que les nôtres, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris la peine de répondre aux arguments que nous avons développés dans notre mémoire finale, aux arguments que nous avons développés à l'audience? On nous dit aussi de l'autre côté de la barre, parce que nous avons évoqué les problèmes de l'arrêt de 1, on nous dit les jugements sont basés sur du droit, il faut les respecter. La défense est vraiment mauvaise joueuse. Mais quand nous vous détaillons ce droit utilisé, lorsque nous évoquons le principe de l'égalité bafouée, quand nous vous expliquons pourquoi les solutions qui ont été retenues par la Cour suprême pose un problème, sont erronées, bafouent les principes élémentaires du procès équitable. Quelle est la réponse en face? Rien. Aucun argument juridique. Alors oui, Monsieur le Président, Monsieur du Tribunal, oui, hier, on vous a à nouveau redonné des faits choquants. Pour ne pas parler des aspects techniques du droit, c'est le mot utilisé par le procureur Comiam. Et lorsque il a commencé sa réplique, effectivement, au bout de quelques minutes, nous avons compris du côté de la défense de Kyo Sampan que nous n'aurions pas de réponse aux problèmes techniques que nous avions soulevés. Alors oui, c'est vrai, le droit c'est compliqué. Oui, c'est vrai, ce n'est pas simple dans une enceinte judiciaire, surtout au moment des plaidoiries, d'évoquer des notions complexes. Mais enfin, Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal, c'est les procureurs eux-mêmes qui vous avaient écrit dans leurs écritures sur la demande de les délais pour les plaidoiries, qui vous avait dit que l'essentiel était au moment des plaidoiries de répondre aux parties adverses. Ils ne l'ont pas fait dans leur réquisition, ils ne l'ont pas tellement fait non plus dans leur réplique. Alors à quel moment, puisque c'était la dernière opportunité pour parler de tout ça? Et puis surtout, en termes de réponses, j'ai entendu beaucoup de réponses à l'équipe de Nanchia, mais très peu pour les arguments de la défense de Kyo Sampan. Et là, je suis obligée de faire une remarque. Contrairement à ce que pouvait laisser penser la réplique de l'accusation hier, il n'y a pas de défense collective des accusés. Il y a deux équipes, il y a eu deux mémoires finaux différents, avec deux mémoires finaux, avec des raisonnements différents, avec des arguments juridiques différents. Alors j'aurais apprécié que l'on daigne répondre aux arguments de l'équipe de Kyo Sampan, et non pas nous noyer comme ça dans un pluriel artificiel, ou de parler de la défense, en nous attribuant d'ailleurs parfois des moyens et des arguments que nous n'avons pas avancés.
ni à l'écrit ni à l'oral. Alors, je donne cette précision au début de mon intervention, Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal, pour que vous compreniez quelle est notre frustration de ce côté-ci de la barre. Pour que vous compreniez également que dans les prochaines minutes, je vais répondre à ce qui nous est adressé à nous spécifiquement. Et je pense également à une observation faite hier par Monsieur le substitut du coprocureur Laïsak, qui vous a expliqué, je crois que votre travail a été rendu plus facile parce que vous avez entendu au cours de ces plaidoiries. Je ne sais pas si vraiment votre travail a été rendu plus facile parce que, comme ils l'ont fait dans leur mémoire finale, les réquisitions sont toujours un magma de fait sans vous expliquer quelle est la qualification juridique exacte qu'ils donnent à ces faits. À vous de faire le tri. Et pareil pour le droit. Ça en devient presque quelque chose d'accessoire. Pour preuve, Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal, hier encore en plaidant, Monsieur le coprocureur Koumian vous a parlé d'enfants tués à Sihanoukville. C'était où dans le procès de deux ces faits? Alors oui, on parle un peu du droit, mais en déformant notre position. Par exemple, Monsieur le coprocureur Koumian nous indique que la défense n'aurait pas contesté leur logique sur le fait que dans la définition juridique du génocide, la destruction du groupe ne se limiterait pas à une destruction physique et biologique. Il vous l'a dit hier. Un petit peu avant, 14h48. C'est faux. C'est bien la preuve que soit il n'a pas lu notre mémoire, soit il ne l'a pas compris. Là, je vous renvoie à notre mémoire où on vous explique très clairement que, oui, dans le génocide, il faut qu'il y ait une destruction du groupe qui ne peut être que physique ou biologique. Un point, c'est tout. Et pourquoi? Parce que c'est ce qui ressort clairement des travaux de la Convention de 48 sur le génocide. Et que c'est seulement à partir de ces travaux de la Convention que vous pouvez faire une interprétation, parce que c'était le droit qui était applicable au moment des faits, et non pas la définition étendue qui tend vers le génocide culturel, qui correspond à des travaux bien nettement ultérieur de chercheurs. Autre exemple, parlons de Phnom Kraul. Là encore, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, du côté de l'accusation, on vous demande de, en gros de faire le travail qu'ils auraient dû faire eux, du côté des coprocureurs. Et on vous dit avec aplomb, par exemple, que oui, c'est vrai, à Phnom Kraul, la preuve est peut-être faible. Peut-être que Sun Wut n'a pas été dans un des bâtiments décrits dans l'ordonnance de clôture. Mais alors pourquoi on en parle? On vous dit, bon, vous verrez, c'est à vous d'apprécier. Enfin, quand même, c'est les règles élémentaires, c'est quand même l'accusation qui doit vous apporter des éléments qu'il considère prouver au-delà de tout doute raisonnable qu'ils ont été établis. Et là, c'est quand même un moment extraordinaire qu'on a vécu hier. On a tellement un flou dans la qualification juridique que les procureurs retiennent sur certains faits que nous, on a appris hier, comme vous, je suppose, que finalement, sur Phnom Kraul,
Il ne soupçonnait peut-être pas le crime d'extermination. Et pourtant, il y a un développement au paragraphe 884 à 888 de leur mémoire finale. Mais alors, parlons procédure. S'il y a vraiment un doute, si on n'est pas sûr, ou si la preuve est faible ou pas suffisante, on n'a pas de charge suffisante, on est obligé d'acquitter. C'est ça la règle de droit. Alors hier, j'ai entendu, monsieur le substitut, l'AESAC, expliquer qu'il nous répondait entre parenthèses. Une parenthèse de 8 minutes. Monsieur le Président, messieurs de la Chambre, il nous dit que nous avons ignoré une distinction élémentaire entre les faits relatifs à un crime reproché aux accusés et un élément de preuve recevable à d'autres fins. Et puis on vous dit qu'on vous fait confiance pour faire le tri. Alors oui, ça, l'accusation, elle est confiante. Elle est consciente, mais la vraie règle élémentaire, que du coup je vais vous rappeler, c'est qu'un élément de preuve sur un fait qui n'est pas reproché aux accusés n'est en aucune circonstance pertinent. On ne peut pas utiliser des faits non pertinents pour aller établir un crime pour lequel l'accusé est poursuivi. Donc oui, je sais que depuis l'instruction, on parle de faits pour l'histoire, mais enfin quand même qu'on ne vient pas nous dire qu'on peut utiliser aussi ces faits pour établir des crimes quand la preuve n'est pas suffisante sur ce crime. Encore une fois, déformation de nos propos sur l'exemple de Kreng Tachan. Que ce soit bien clair, du côté de la défense de Khieu Samphan, ce qu'on vous a dit, c'est que vous n'étiez pas régulièrement saisi des faits de torture à Kreng Tachan. Voilà ce qu'on vous a dit du côté de la défense de Khieu Samphan. Et c'est encore, vous le voyez, hier, le même substitut vient nous expliquer que, oui, certes, ils ont cité Im Chem dans leur mémoire finale, mais qu'après tout, ils n'en avaient pas vraiment besoin parce que ce n'était pas pour établir la conduite de l'accusé. Et pourtant, je vous invite, monsieur le président, messieurs le tribunal, à lire leur paragraphe 1114 de leur mémoire finale. Et là, on parle typiquement de M. Khieu Samphan. Sur des faits qu'il conteste, on nous dit qu'il ne conteste pas être allé à Trapmangtma. Mais en tout cas, la phrase qui figure au paragraphe 1114, je vais la lire en anglais, dit ceci. While there, Khieu Samphan personally observed the workers carrying out their tasks and urged them to keep working hard. Si ça, ce n'est pas des éléments relatifs aux actes et conduites de l'accusé, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est ce que je vous ai rappelé hier, quand on n'a pas pu confronter un témoin qui parle d'une attitude supposée de l'accusé qu'il conteste, qu'on soit bien clair. Mais en tout état de cause, la question n'est même pas de savoir si Khieu Samphan conteste ou conteste pas. Les procureurs ne pouvaient pas utiliser à cette fin la déclaration de Im Chem. Alors qu'on ne vient pas nous dire qu'il ne mentionnait pas cela. C'est écrit noir sur blanc. Cela n'aurait jamais dû figurer dans le mémoire du tout. Mais tout est bon, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, pour arriver à dire que Khieu Samphan savait tout, partout, surtout. Un peu comme on vous a présenté lors des réquisitions finales, une vidéo des années 2000, toujours des éléments bien après les faits, d'un Khieu Samphan entouré de livres qui évoque l'arrestation de Chan Chakrai. Et on vous dit, ah là là, c'est la preuve qu'il savait. Moi, je vous dis simplement que c'est la preuve qu'il a lu Short. Je peux même vous donner la référence. Philippe Short, document E3-9, ERN en français,
00639925. Voilà la référence qui correspond à la vidéo que l'on vous a montrée. Et de vous citer aussi des déclarations de Duyck en disant mais Duyck a aussi évoqué une réunion, en oubliant de vous mentionner que Duyck vous explique que c'était lors d'une discussion cordiale avec un prisonnier de S21. Les procureurs ne se sentent pas concernés par le droit aussi peu. Ils n'ont quasiment pas répondu à nos arguments. Est-ce que c'est une posture? Se dire que c'est le mépris des arguments de la défense, ça pourrait être ça, mais je n'en suis même pas sûr, monsieur le président de monsieur le tribunal. Je pense surtout qu'il y a une... Oui, il y a un mépris, oui. C'est un mépris des règles élémentaires qu'on apprend pourtant dès le début de nos études de droit. On ne parle pas de faits comme ça dans l'absolu en procès pénal. On parle de faits qui sont poursuivis, on parle de faits auxquels on doit donner une qualification juridique. Alors, est-ce que les coprocureurs sont si peu concernés par le droit? Ou alors, est-ce que leur silence par rapport à certains de nos arguments, c'est que finalement, il n'y a pas de réponse? C'est un aveu que peut-être nous avons raison? Alors hier, j'ai entendu l'accusation critiquer mes confrères de l'équipe de Nunchua en parlant de l'hypocrisie plus que flagrante. On a dit qu'il faisait l'autruche. Peut-être qu'y a-t-il un parallélisme des formes, en tout cas sur la question de l'absence de réponse à nos points de droit soulevés. J'en viens maintenant, Monsieur le Président, à la réponse que je dois apporter aux arguments des parties civiles portées par la voix de ma consœur Marie Guiraud. Les parties civiles qui, comme je le disais plus tôt, ont été les seules à daigner leur éclairage sur des points de droit à soulever. Parce que quand même, quel est l'intérêt d'un débat judiciaire si ce n'est pas avoir les positions de chacune des parties pour vous aider à trancher? Une première remarque sur la question de saisine. Et ce que j'ai entendu de la part des parties civiles. Ma consœur Marie Guiraud, hier, vers 13h35, a indiqué que vous êtes saisie de faits, de tous les faits, et rien que les faits qui sont contenus dans l'ordonnance de clôture. Oui et non. Pas de tous les faits qui figurent dans l'ordonnance de clôture. Et vous vous souviendrez, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, que j'ai commencé mon propos mardi en vous rappelant la citation d'un ouvrage de Marcel Lemoine qui expliquait que dans l'ordonnance de clôture figuraient parfois des faits qui n'étaient pas absolument indispensables. Et d'ailleurs, j'y vois l'explication de l'incompréhension de ma consoeur hier par rapport à la question des viols, puisque, effectivement, les juges d'instruction ont parlé de faits que finalement ils n'ont pas poursuivis. En toute cette cause, ce qui est clair, c'est que vous n'êtes saisi de tous les faits que dans la mesure où ceux-ci ont reçu une qualification criminelle par les juges d'instruction. Il faut que cela figure dans l'ordonnance de clôture. Tous les faits qui sont mentionnés comme ça pour l'histoire, vous n'en êtes pas saisi s'il n'y a pas de qualification criminelle au terme de l'examen des juges d'instruction. Et c'est cette différence d'analyse que nous avons avec les parties civiles qui explique pourquoi
il y a cette divergence sur l'étendue précise de la saisine qu'a évoquée ma consoeur hier à 13h43. Sur la question du traitement des Vietnamiens notamment, les partis civils considèrent que le paragraphe 803 est également concerné, que les faits accratiers sont dans le champ et dans la mesure où ils n'ont pas reçus par la suite de qualifications criminelles, ils ne sont pas dans le champ. Pour le génocide, c'est seulement Prevagne et Sveireng. Et d'ailleurs, je vous ai cité une requête de l'accusation où l'accusation avait la même analyse, même si ils l'ont oublié par la suite. Même chose sur la question du champ du procès à Tram Quoc. Un premier point quand même qui est important. Il est important de saluer l'honnêteté quand elle intervient en salle d'audience. Et j'ai noté que lorsque ma consoeur a évoqué Tram Quoc, elle a bien parlé des 8 communes de Tram Quoc visées dans l'ordonnance de clôture, qui montre qu'a priori, nous aussi, nous avons la même compréhension de cette saisine. En revanche, c'est là où nous divergeons. La question n'est pas de dire et de pouvoir dire que Sampan est poursuivi sur tous les faits qui se seraient déroulés à Tram Quoc évoqués, mais tous les faits qui ont reçu par la suite une qualification criminelle. Or, et ça c'est important, rien dans les faits renvoyés sur Tram Quoc n'évoque Angkor. Alors oui, c'est vrai. Angkor s'est apparu pour la première fois, et c'est une décision de la Chambre, à la suite d'une objection de la Défense, qui nous dit non mais c'est dans le champ parce que c'est à Tram Quoc. C'est une erreur, Monsieur le Président, Monsieur du Tribunal. C'est une erreur et nous espérons que vous allez la réparer dans le cadre de votre délibéré. Si ce sont des faits qui n'ont pas été évoqués et retenus criminellement par les causes d'instruction, la Chambre n'a aucune compétence pour s'en saisir. Autre point sur Tram Quoc, j'ai entendu que les partis civils considèrent que certains décès survenus à Tram Quoc correspondent plus à de la qualification de meurtre que d'extermination. C'est l'analyse que nous avions également et vous la retrouvez dans notre mémoire finale. En revanche, il y a un autre point sur lequel nous divergeons, et nous allons plus loin, c'est que compte tenu de la rédaction de l'ordonnance de clôture, vous n'êtes saisi à Tram Quoc que pour les décès en raison de la faim. Or, jamais ces décès ne sont le fruit d'une intention directe de tuer. Et si vous devez requalifier, alors vous allez devoir envisager aussi cette question, puisque si vous changez d'extermination, vous les requalifiez, ça veut dire que il y a un nouvel élément que vous introduisez. Et du côté des procureurs sur Tram Quoc, c'est un élément que j'avais même oublié de mentionner lors de mes plaidoiries. Sur le meurtre ou l'extermination, on n'a rien. Ni dans leur mémoire finale, ni lors de leur réquisition orale. Ils n'ont rien dit sur le crime d'extermination à Tram Quoc. J'en conclue donc qu'ils ont la même analyse que la Défense. Et vous en tiendrez compte dans le cadre de votre délibéré. Autre point rapide sur la réduction en esclavage, peut-être n'ai-je pas été clair dans mon propos, ce que j'ai expliqué sur les deux composantes qui étaient réunies sur la réduction en esclavage, j'ai parlé de ce qui était indiqué dans l'ordonnance de clôture, à savoir que pour qu'il y ait réduction en esclavage, il fallait que deux composantes soient réunies, un, l'exercice d'un attribut de propriété, et deux, le travail forcé. Aucun autre fait que ce décrit, compte tenu de cette qualification par les juges d'instruction, ne sont soumis à l'appréciation de votre chambre. C'est ça. Que j'expliquais.
Un autre point soulevé par ma consoeur des partis civils, et c'était, je pense, au sujet de la torture à Kreng Tachan. On vous disait qu'il n'y avait rien dans le réquisitoire introductif des procureurs qui évoquait cette question. Et ma consoeur vous a dit, c'était le 21 juin, un petit peu avant 13h52, je cite, dans le réquisitoire introductif, vous avez le réquisitoire introductif et puis vous avez des annexes. Et lorsque les coprocureurs saisissent le juge d'instruction, ils saisissent le juge d'instruction du réquisitoire introductif et de ses annexes. Ça, c'est la position des parties civiles. Mais à l'appui de cette position, il n'y a aucune source, aucun texte de droit. Et dans notre mémoire finale, nous avons bien détaillé les règles de la saisine avec les textes en droit cambodgien, en droit français et également le règlement intérieur, en plus de la jurisprudence des tribunaux français. Et pour contredire l'affirmation de ma consoeur,